Salut, tu vois, c'est la France, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Magazine. Aujourd'hui, le magazine Lego Ninjago, du coup, du mois d'octobre 2022, avec la figurine Dragon Zane. Donc, pour ma part, la dernière figurine Dragon qui me restait à obtenir pour toutes les avoir. Donc, du coup, bah, ça c'est cool, hein. Et d'ailleurs, les ailes, encore une fois, partout dans le magazine, j'ai l'impression à chaque fois qu'on va avoir une figurine dragon, le doré ne sera pas le même que sa version 7. Ce qui en fait au final du coup une figurine exclusive à ce magazine. Et du coup, vu que le magazine augmente à chaque fois, c'est un petit peu dommage. Bah, encore une fois, le magazine a augmenté, hein, il a pris 1 euro par rapport à son prix de base, en espérant que ça va redescendre à un moment donné. Si j'y crois pas trop, hein. Si Lego fait une augmentation, c'est pas pour les baisser après. Mais bon. Du coup, la pièce, la figurine en elle-même, par contre, c'est la même que dans les 7. Hein. Mais juste, c'est vraiment ses ailes, le doré, c'est vraiment pas le même. Voilà, sinon la figurine ici, tout imprimé sauf les bras et le côté des jambes, évidemment. Tête super cool qui reprend ici et les détails de sa tête de l'hydroïde pour Zane. Ici une épée de glace avec le manche dragon blanc, super cool. Donc ça c'est un peu tout pour la minifig. Très sympa aussi hein, la minifig. La carte du coup de Garbado légendaire qui rejoint la série 5. Très sympa aussi, d'ailleurs une tête, une expression de tête qu'on n'a jamais eu auparavant. Le petit polybag dans lequel il était livré. Toujours aucune trace du polybag du coup en carton, en papier cartonné comme celui Marvel. Et du coup, on va faire un tour de ce magazine. Alors magazine sous le nom de Crystal Zane, hein, évidemment. Donc ici, du coup, une pub pour Blue Chain, le sommaire. La page sur la minifig, ainsi que un petit jeu et les instructions des ailes. Encore un petit jeu avec les véhicules. Ici, un jeu avec Kai. Une pub pour les aides Crystal Zane. Tous sont sur la chaîne. Sans Ifion. Sauf pour le jet de Zane et la moto de Jay. BD, évidemment, on ne vous la montre pas. Je vous le dis, dedans, on a les nouveaux ninjas. Du coup, de la nouvelle saison. D'ailleurs, qui est disponible sur Roku. Depuis je sais plus quand, mais sans en français. Du coup, c'est super cool. Ça arrive le 2 novembre, je crois, sur la télé. Par contre, ennemi en déroute. Donc, ça, c'est un jeu. Le poster du Crystal King. Un autre poster super cool des 7. Voilà. Fin du poster du Crystal King. L'abonnement. La BD, encore une fois, avec des 7 Legacy, des 7 Evo et des 7 Crystal Zane. Encore une fois, une page sur Crystal Zane, justement, avec du coup des informations sur, sur les généraux du coup du roi Crystal. Plutôt cool. Une page comme ça sur l'Euromania dont vous avez une review sur la chaîne. Un petit jeu sur Crystal Zane. Ici, du coup. Le courrier des gens du magazine, forcément. Et qu'est-ce que. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a en prochain magazine, mais avant, comme à chaque fois, la pub pour magazine est ici, qu'il faudra renommer en magazine Evo au final. Et du coup, les cartes Jurassic World, dont vous avez vu peut-être une partie de ma collection dans ma collection de cartes. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le prochain magazine? Le roi cristal de Crystal King qui arrive du coup le 23 novembre dans nos kiosques favoris. Donc du coup Crystal King dans sa version deux bras qui n'a pas du coup ses épaulettes. Voilà, donc c'est la même version dans toutes les sets où il apparaît. Mais celle qui se rapproche le plus c'est celle du roi cristal justement. La BD du coup c'est une BD. C'est sympa. Moi j'ai déjà vu, mais en anglais du coup, parce qu'elle était déjà sortie dans un magazine en anglais. Et dedans il y a une petite incohérence, mais c'est pas grave, c'est
encore un exemple que les BD des magazines ne sont pas canons. Donc du coup voilà, qu'est-ce qu'on a dans le prochain magazine? Ce magazine aussi, bah du coup, je vous conseille de vous le prendre parce que Zayn apparaît quand même dans un set à 85€, je crois, s'il n'est pas monté à 90. Donc du coup, ça reste, même pour 7€, ça reste quand même rentable d'avoir une figurine de 14,5 cm de long. Donc ouais, je vous conseille quand même. Voilà. Donc ouais, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à laquelle vous pensez. Et voilà, bah du coup, c'était MC Lachelou, on aura plus, qui vous dit bye!